Ne peux-tu pas attendre ta sœur pour que vous mangez ensemble? Hein? Allez, arrête ça. Tu aimes beaucoup manger. Hein? Maman. Oh. Attends, maman, ta sœur. C'est pas ma facile. Fille, tu as l'air mignonne. Travail. Tu es très belle. Merci. Viens, va manger. Attendons que ta sœur finisse. On va prier et manger après. C'est comme ça que ça doit se passer. Laisse-moi t'aider avec tes sandales. Regardez-la. Tout ça, c'est à cause de la bouffe. Hey! Prions, oh! Ok. Maman, laisse-moi prier. Ta prière sera kilométrique. Ok, prie. Seigneur, je bénis Iripa au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste comme ça? Ah, maman, c'est la prière, non? Dieu va l'accepter. Oh. Comment tu peux être aussi brève? Maman, amen. Bonjour seulement. Qu'est-ce que c'est? Je reviens, c'est comme si mon téléphone sonne. Maman, mange, non, ça va se refroidir. Apprends à gérer ta faim. Maman, laisse-moi. Enlève ta main. Maman, hein? Sois patiente. Si le déjeuner n'est pas assez, on va attendre ta soeur. Nous allons le manger ensemble. Maman, tu aimes beaucoup parler. S'il te plaît, laisse-moi. Tu sais que ça dérange souvent. C'est pas bien. Hein? Enlève tes mains. Je parle. Tu continues de manger. Tu as commencé à manger depuis la cuisine. Tu veux le finir toute seule ou quoi? Maman, ça fait rien. Laisse-moi manger. Tu sais que j'ai très faim. Je dois partir. Je crois qu'il est temps pour moi de m'en aller. Ah ah. Il est tard. Prends le temps de finir cette nourriture. Je ne peux pas te laisser aller au travail sans pour autant mettre quelque chose sur ta dent. Vas-y, mange. Bico. Maman. Maman, ça va. C'est mon premier jour au travail. Ne l'oublie pas, je dois arriver en avance. Peu importe, tu dois manger quelque chose. Maman, je dois arriver au travail à temps. Mmh. Ok, tu sais quoi, juste garde une part pour moi quand je reviendrai. Bah, ça va se refroidir. Tu sais quoi, je mangerai sa part, maman. Oh, regardez-la. J'ai toujours dit que celui qui t'a fait ainsi sera puni de Dieu. Maman, vas-y, c'est ma fille, mange. Il sait. Amen. Garde silence. Ferme ta bouche et mange. Ok. Maman. Ma fille, que Dieu soit avec toi. Amen. Que ces premiers jours de travail te soient favorables. Oh, amen. Tout ce dont tu auras besoin dans cette entreprise te sera donné au nom de Jésus. Amen. Maman, je dois partir. Ma sœur. Tu sais quoi, prends soin de toi et mange ma part, ok? Attends, je te couvre par le sang de Jésus. Amen. Tout sera bien avec toi, ma fille. Je sais. Et toi, arrête de la merder. Arrête de la merder. Tout te sera donné, ma fille. D'accord, maman. Garde le sourire sur ton visage. Ok. Ma mignonne des filles. Je t'aime, maman. Mais je t'aime également. Maman, je vais manger sa part. Ça veut dire quoi? Maman, je mange aussi sa part. Joy, couvre cette nourriture. Couvre ça vite. C'est quoi avec toi? Maman, laisse-moi tranquille. Ça, c'est ma part. Et ça, c'est la sienne. Dépose cette cuillère. Dépose ça sur la table. Ah, maman, moi, franchement, moi, je n'aime pas ça. Tu ne sais que manger. Pas, regarde ta vie. Non, gourmande. Maman, bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Ça te dérangerait si je t'accompagnais où tu vas? Oh, merci. Oh, j'attends les toc-toc. Oh, je ne veux pas quelque chose de plus. J'ai juste besoin de t'assister. Et d'ailleurs, je ne vois pas une moto passer par cette avenue en peu de temps. Merci beaucoup. Excusez-moi.
bon, je t'appelle. Ah, je suis Rose. Ah, Rose. Oui. Quel beau nom pour une belle demoiselle. Merci. Et moi, c'est Austin. Austin? Oui. Oh, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Je dois arriver au travail à temps. Ah, si t'es comme ça, bon, il n'y a pas de problème. Et pourquoi si pressé comme ça? Aujourd'hui est mon premier jour au travail, donc voilà pourquoi je dois arriver à temps. Oh, félicitations. Merci. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, je viens de décrocher un emploi comme secrétaire dans une entreprise de construction. Voilà pourquoi je dois arriver là-bas à temps. Ah, ça c'est vrai. Ouais, ne t'en fais pas, je te comprends. Ça va aller, ok? Merci. Je t'en prie. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu transportes dans le cadre? Alors, absolument rien. Es-tu sûr? Oui, oui, oui. Mais j'ai quelque chose pour toi. Ok, donne-moi alors. Officier, tu sais, parfois quand je me fais un peu de cet argent, je pense que nous travaillons. Donc, on va travailler dur. Mais nous travaillons pour vous. En tout cas, regarde, tu peux te partir. Passe, 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 tu peux partir. Vas-y, pars. Arrête-toi là. Officier, quel est le problème? Jeune homme, tu peux descendre de la voiture et que tu viennes pour ouvrir ton capot. J'ai déjà expliqué à ton collègue qu'il n'y a absolument rien là-bas. Il n'y a pas de quoi de partir. Mon ami, je t'ai dit, descends immédiatement de ta voiture et viens ouvrir ton capot. Pour qu'on puisse regarder. Ok. Vous voulez voir la carrosserie? Ouvre ton capot et rassure-toi que tu as le permis pour pouvoir conduire ça. Ah, officier, arrêtez de dire certaines choses. Je suis un citoyen responsable. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas me permettre de conduire ces véhicules. Mon ami, s'il te plaît, ouvre ce capot. Patron, s'il te plaît, ouvre seulement le capot. Hein. Il n'y a pas de problème. Et c'est quoi tout ça? Mes affaires personnelles. Vous n'avez qu'à chercher ce que... Attends d'abord, inspecteur. Allez-y. Fouille tous ces objets. Oui, monsieur. Patron, quoi? Une arme. C'est une arme. Quoi? Hey! Une arme! Quoi? Ah! Hey! Mets-toi à genoux! Mets-toi à genoux! En tout cas, j'en sais rien! J'ai dit, mets-toi à genoux! Inspecteur, hey! Qu'est-ce qui se passe? La voiture. Tu es un criminel. Donc, tu es en train de porter une arme. Mais comment? Ok. Inspecteur, fouille toute la voiture. Merci, allez. Hey! Pas de l'autre côté. Une arme! Qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Hey! Je ne sais rien! Seigneur! Mets-toi à genoux! Ah, moi, je pars au travail. Fouille dans tout le monde. Oh, mais comment est-ce possible? Je ne veux pas que vous puissiez bouger. Allez, fouillez dans la voiture. Inspecteur, fouillez dans toute la voiture. Il y a pas de fait de matriculation, c'est ça? Hey, patron. Hey! Dis-moi ça partir. Vous... Je sais pas. Ce n'est pas de la drogue. Ok, allez, lève-toi, avance. Entre dans ta voiture. Officier, s'il vous plaît, je ne connais pas ces hommes. Je viens juste les croiser. Je ne les connais pas. Tu sais quoi?
Est-ce que je te connais? Je te connais pas. Je viens juste de l'écraser. C'est vrai. Je ne connais pas. Ok, je ne te connais pas. Qui es-tu? Non, je ne les connais pas, officier, croyez-moi. Je ne te connais pas. C'est la vérité. Je ne t'ai jamais croisé. Je ne te connais pas. Conduis cette voiture. Allons avec ça. Conduis cette voiture. Maintenant, vous pouvez sortir de ce véhicule. Sortez. Officier, écoutez. Sortez. Je ne connais pas cet homme. Ah bon? Je dois aller au travail. Je ne connais pas cet homme. Avance. Je l'ai croisé juste en cours de route. Je ne le connais pas. Est-ce que je te connais? Je te connais. D'ailleurs, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, officier. Je ne connais pas cet homme, pitié. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Joy. Maman, calme-toi. S'il te plaît, du calme. Je suis sûre que ma soeur va bientôt revenir. Je t'en prie. Maman. Comment oses-tu me dire de m'asseoir et de me calmer? Hein? Comment oses-tu? Est-ce que tu vois l'heure? Ta soeur n'est pas encore revenue. Hein? Et si quoi? Rien n'arrivera à ma soeur. Elle va finir par revenir. Je suis sûre que son nouveau boss lui a donné assez de travail. Voilà pourquoi elle est en retard. Alors pourquoi est-ce que tu as peur? S'il te plaît, viens t'asseoir. Oui. Tu je crois suis vraiment? Très sûre. Alors tu n'as qu'à te calmer, je t'en prie. Viens t'asseoir, maman. Oh, assieds-toi. Hey. Maman. Ne t'inquiète pas, non. Calme-toi. Comment tu peux me dire de ne pas me déranger? Joy, comment est-ce possible? Comment? Hein? N'oublie pas que c'est son premier jour d'aller dans ce travail. Et si c'était un piège maman, contre elle? Toi. Hein? Espérons qu'il n'y a rien de grave. Elle va bien. Hein? Tu sais, quand tu commences un nouveau boulot, on peut te donner assez de travail. Et ça va permettre à ce qu'on te garde en service et qu'on augmente ton salaire. Hein? Oui. Ah bon, c'est comme ça? C'est comme ça, maman. Maman. Tu as vu ce véhicule? Maman, elle s'est inquiétée. Ne t'attends pas à voir ta sœur. Qu'est-ce qui avait inquiétée? J'ai vu un véhicule en maman, train de passer. Ça doit probablement maman, être elle. Maman, c'est inquiétée. C'est pas ta fille, maman. S'il te plaît, calme-toi. C'est inquiétée qui arrive là. Hey. Maman, es-tu devenue aveugle? C'est inquiétée qui arrive. C'est pas ta fille. C'est quoi? C'est bon. Maintenant, tu peux me dire ce que je dois savoir. Officier, je vous dis la vérité. Je ne sais absolument rien concernant la drogue et l'arme. Je suis innocente. Innocente? Maintenant, écoute-moi. Ça serait mieux que tu dises la vérité. Parce que au moment où j'aurai fini avec toi... Écoute, je t'infligerai surtout beaucoup, beaucoup du mal. Bam! Je ne peux pas confesser pour un crime dont je ne sais absolument rien. Je suis innocente. Donc tu ne veux pas dire la vérité? Tu ne veux pas dire la vérité? Tu refuses de parler? On te demande de parler? Tu penses qu'on est en train de blaguer avec toi? Ah, tu ne veux pas dire la vérité? Pourquoi je ne veux pas dire la vérité? Alors, es-tu maintenant prêt à dire la vérité? Officier, je suis maintenant prêt à dire la vérité. Maintenant, parle. Toutes ces choses-là que vous avez vues, l'arme, la drogue, appartiennent à Rose. Je n'ai absolument rien à faire avec tout ça, j'en sais rien. J'allais juste la déposer telle qu'elle me l'avait demandé.
Je n'ai rien à faire avec tout ce que vous avez trouvé dans son véhicule. Oh, es-tu sûr? Je jure, c'est le nom de mon père et le nom de ma mère. Je jure. Est-ce que tu es sûr? Oui. C'est bon alors. Je suis sûr. Je dois sortir là-bas. Je dois aller chercher ma fille où elle se trouve. Maman, regarde un peu, hein? Depuis hier, ma fille n'est pas encore rentrée et je dois rester ici. Rester ici pour faire quoi? Laisse-moi aller chercher ma fille où elle se trouve. Maman, attends, bien. Laisse-moi sortir. Je vais aller la chercher. Bien. Allons ensemble. Je ne peux pas te laisser aller seule. Laisse-moi partir avec maman, toi. Maman, non. Attends, alors si elle revenait. Toi, reste ici pendant que moi je vais la chercher à l'extérieur, s'il te plaît. Oui. Ok. C'est une bonne idée. D'accord, j'accepte. Je vais laisse-moi partir. Attends. S'il te plaît. S'il te plaît, ma fille. Rassure-toi de rentrer à la maison avec ta soeur. Oh. Ok, maman. Ok. Je reviens avec elle. Ok. Sois juste forte pour moi. Je vous attends. Joy, s'il te plaît, ma fille. Si tu arrives dans leur bureau et que tu ne la vois pas, demande les gens qui sont aux alentours, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux faire? Rose, ma fille. Austin, je t'en prie, dis la vérité. Austin, dis-leur que je ne connais absolument rien de cette histoire. Dis-leur que je n'ai rien à voir avec le drogue, je ne connais absolument rien. Bien, s'il te plaît, Rose, il venait juste te confesser. Oh, Dieu, merci. Hey, merci Jésus, merci Seigneur. Mais c'est de ton intérêt de savoir qu'il t'a déjà accusé, que c'est toi qui t'éteignais les armes et la drogue trouvée dans cette voiture. Hey, Austin, oh mon Dieu, Austin, dis-leur la vérité que je ne connais rien. Austin, je t'en prie, dis la vérité. Tu veux que je mente? Austin, tu sais que tu mens, dis la vérité, je t'en prie. Je le Allez. Dis la vérité, oui. Officier, je jure sur ma vie. Ce qui s'est passé là, c'est elle qui m'a forcé. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir. Je vous ai dit la vérité. Elle m'a forcé à faire tout ça. Austin, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me punisses ainsi? Tu sais très bien que moi et toi, on ne se connaît pas. Tu ne sais même pas là où je vis. Tu voulais juste m'aider. Voilà pourquoi je t'ai monté. Hein? Austin, s'il te plaît, confesse et qu'on me laisse partir. Moi, j'ai donné raison. C'est ce que tu t'es mis à dire aux officiers. Ah! Je suis en train de me demander pourquoi tu peux mentir jusqu'à ce point. Je vais vous dire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Dis-moi, tu peux parler. Thank you.
je savais, je n'allais pas permettre de faire cela. J'allais même lui demander ce qu'il y a dans le sac, mais je ne l'avais pas fait. Austin, regarde où je vais. Tu es un monstre. Pourquoi tu fais ça? Dis la vérité, qu'on me libère. Silence. Ça suffit. Maintenant, vous devez écoutez-moi attentivement. Je me fiche de savoir qui est en train de dire la vérité ou qui est en train de mentir ici. Mais lorsque j'aurai fini avec vous deux, j'ai dit lorsque j'aurai fini avec vous deux, vous allez regretter d'être venu ici. Maintenant, allons-y. Lève-toi. Lève-toi. Austin, s'il te plaît, je t'en prie, dis la vérité. Confesse, qu'on me libère, je suis innocente. Je n'ai rien fait, je t'en prie, je ne te connais pas. Dis-leur que je ne te connais pas et que je ne t'ai jamais vu, je t'en prie, Austin. Oh, tu es mon seul espoir. Je n'ai personne pour prendre ma défense, mon Dieu. Je t'en prie. Salut, monsieur. Ah, comment tu vas? Oui, je veux bien. Monsieur? Monsieur, vous voyez, ce gars est vraiment étrange. Vous voyez, d'un côté, la fille réclame d'être innocente. Et de l'autre côté, c'est les garçons qui accusent la fille d'être la commanditaire de toutes ces choses. Tu vois, je suis vraiment sûr que ces deux, on leur met dans cette affaire. Personne n'est pur. Voilà pourquoi ce qui s'était répété la fois dernière ne doit plus arriver. Le pot de vin, je ne vais plus entendre parler de ça. Je suis désolé, monsieur. Mais avant, monsieur, trouvez ces documents-là et puis rejoignez-moi et on va aller voir ce qui se passe. Bien sûr, monsieur. Monsieur? Ta sœur. Où est-elle? Et tu l'as retrouvée? Pourquoi tu n'es pas rentrée avec elle? Où est-elle? Maman, j'étais partie dans leur bureau et ils ont dit que Rose n'est pas arrivée au bureau hier. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman, c'est la vérité. Que veux-tu dire, pas? Rose n'est pas arrivée dans son lit de travail depuis hier. C'est ce qu'ils m'ont dit là-bas, maman. Rose n'était pas arrivée au bureau hier. Hey, je ne comprends pas. Elle nous a dit qu'elle allait dans son bureau hier. Oui, maman. Je suis aussi confuse comme toi. Tu as vérifié un peu partout. Elle nous a dit qu'elle partait au bureau, mais quand je suis arrivée sûre? Là-bas, ils m'ont dit qu'ils ne l'ont pas vue. As-tu demandé aux gens d'environ? Maman, je me suis renseignée partout. J'ai demandé à tout le monde. Ils ne l'ont pas vu. Emma! Maman, non. Emma! Je t'ai dit que je voulais y aller toute seule, Rose. Rose, je t'ai dit que je voulais y aller toute seule. Emma, mes ennemis. Qui est-ce que j'ai offensé, mon Dieu? Maman, s'il te plaît, je t'en prie, maman. Rose. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce que mes ennemis ont fait, ma petite fille? Maman, rien du tout. Arrête. Maman, rien du tout. Je te rassure, Rose va revenir ici. Elle viendra. Seigneur, viens à mon secours, mon Dieu. Bon après-midi, madame. Bon après-midi.
Oui, oui, je parie qu'ici, c'est la maison d'une demoiselle au nom de... Oui, c'est ici. Maman, attention. Oui, c'est ici. Mon cœur bat à la chamade. Oui, c'est moi, sa mère. Qu'est-ce qu'il y a avec ma fille? Où est Rose? Où est-ce que vous l'avez mis? Dites-moi, qu'est-ce qui s'était passé avec elle? Je suis désolé, madame. En ce moment, quand je vous parle, votre fille se trouve dans notre cachot. Pourquoi? Il lui a été chargé le vol d'armes. Possession illégale d'armes et de drogues. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Ma vie, bien entendu. Non. Non, ça ce n'est pas ma fille. Ma fille ne peut pas être une cambrioleuse. Faites des investigations partout où elle va. Vous ne la trouverez pas dans ce genre d'histoire. Je connais bien ma fille. Je connais bien ma fille, oh. La fille que j'ai sortie de mon sein. Je la connais bien, oh. Je ne saisis pas ce que vous dites. Essayez de me faire comprendre. Explique-moi. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Madame. S'il vous plaît, officier, vérifiez un peu le nom. Ça ne peut pas être notre Rose. Il y a beaucoup de roses dans ce village. Oui, oh. Ça peut être une autre. Je suis désolé, je venais juste de passer mon message. Si vous voulez voir votre fille, je vous suggérerai... On y va, monsieur l'officier. On y va. Attends, ferme-moi la porte là. Maman, attends. Maman, attends. Maman! Officier, on est déjà traîné ici. Mais où est notre sœur en question? Mais patientez, non? Je vous ai dit d'attendre. Vous voulez m'apprendre mon travail? Mais... Mais quoi? Vous pensez que c'est besoin de votre père? Attendez là. Ah, maman. Problème. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je ne sais pas. Je suis accusée d'un crime dont je ne connais absolument rien. Maman, tu dois me croire. S'il vous plaît. Hey! Je te crois. Je sais ce que tu peux faire. C'est très évident que tu es innocente. Je connais bien ma fille. Non, aucun de mes enfants ne peut être un cambrioleur. Tu n'es pas une cambrioleuse, Rose. Jamais, comment? Regarde ce qu'ils ont fait. Tu seras libérée bientôt. T'inquiète pas. Désolée. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Il me frappe toujours. Ok. Ok. Rien de mal ne t'arrivera. Nous serons en prière pour toi. Notre Dieu fidèle, il ne t'abandonnera pas. Ne perds pas la foi. Dieu est avec toi, il va te justifier. Rien ne t'arrivera. Sois-en sûr, Dieu est à tes côtés. Rien ne t'arrivera de mal. S'il vous plaît, monsieur l'officier. Non, juste une minute. Non. Moi, juste une minute. Je n'ai pas encore fini avec elle. S'il vous plaît, monsieur l'officier. Qu'est-ce qu'on va pas avec ma soeur? Elle est innocente. Ok. Elle est pas. Okay. Ok, Rose, calme-toi. Allez, bougez. Vous allez avec elle. Ok. Ma soeur. T'inquiète, ma fille, ça va aller. Arrête de pleurer, Rose. Arrête de pleurer. Dieu est là. C'est juste. C'est lui
des défenseurs, des innocents. Je vais te justifier. Passe comme ça. Maman. Ok. Ok. Maman, désolée, ça va aller, désolée. Grande sœur, qu'allons-nous donc faire? Grande sœur, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Regarde notre maman. Maman, désolée, ça va, courage. Maman, s'il te plaît, reste encore. Grande sœur. Maman. Désolée. Désolée. Maman, ça va. Courage. Maman, désolée, désolée maman, ça va aller, t'inquiète, j'ai courage, ça va, maman s'il te plaît, ça va, courage, maman s'il te plaît, trouve encore un peu de force, ne me laisse pas s'il te plaît, maman, oui ça va aller, oui, courage, ça va aller. Mais qu'est-ce qu'il y a, Rose? Qui est en train de te suivre? Mon oncle! Mon oncle! J'étais en route pour chez toi. Tu es en train de venir chez moi? Oui. Je pense que tout va bien. Ça ne va pas. Ma mère est très malade. Mon oncle, je t'en prie, j'ai besoin d'argent pour l'amener à l'hôpital. Tu es en train de me dire que Rebecca est malade? Oui. Elle est très malade.
S'il te plaît, nous avons besoin d'argent pour l'amener à l'hôpital. Mais ma fille. Ma fille, si seulement tu me l'avais dit avant, je venais de dépenser tout l'argent que j'avais sur moi. Mon oncle, essaies-tu de dire que tu n'as pas d'argent? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Mon oncle, je t'en prie, trouve quelque chose. Rappelle-toi que c'est la femme de ton frère. Mais je viens tout juste de te dire que j'ai pas d'argent avec moi. S'il te plaît, laisse-moi continuer mon chemin. Dis-lui que je viendrai la voir à mon retour là-bas à l'hôpital. Ah, mon oncle. Mais c'est quoi ça vraiment? Mon oncle, s'il te plaît, ma mère est en train de mourir. Attention. Oncle Jude m'a dit qu'il n'a pas d'argent avec lui. Nous devons vraiment faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Quoi? Nous ne pouvons pas laisser maman mourir. Même si cela veut dire aller jusqu'au bout du monde. Tu m'as entendu? Joy, remets-toi au travail. Joy. Allez, remets-toi au travail. Moi, je suis fatiguée. Tu es fatiguée? J'ai faim. Mais tu avais mangé avant de venir ici? Mais grand Dieu, j'ai beaucoup travaillé. Tout ce qui était dans mon ventre est déjà parti. Maintenant, j'ai très faim. Joy, tu dois te remettre au travail. N'oublie pas que nous avons besoin de l'argent provenant de ces boulots pour conduire maman à l'hôpital. Hein? Ou ça te veux-tu que maman meure? Bah. Alors, mets-toi au travail.
Et maintenant pour moi, maman, si j'ai commencé à travailler comme ça enfamé, et alors si j'ai mouru. Joy. Hein? Joy, ma soeur. Tu ne vas pas mourir. T'inquiète. La famine peut tuer. La famine tue. Oh oui, la famine tue, mais ça ne va pas te tuer. Veux-tu que quelque chose de mal arrive à maman? Allez, remets-toi au travail. Une fois que nous serons à la maison, je vais te servir à manger. Tu auras du riz, t'inquiète. Oui. Quoi? Tu me donneras beaucoup de viande? Deux. Non, je te donnerai 5 morceaux. Oui, juste remets-toi au travail. Ok? Ok. Travaille bien, ma soeur, ok? Oui. Joy, fais attention. Oui, sois prudente. Allez, doucement. Passe devant. Madame. Ah, madame. Avez-vous fini? Oui, nous avons fini. Je vous dois combien? 500 lira. Avez-vous rempli ces citernes? Oui, madame. Je peux aller vérifier? Oui, madame, vous pouvez vérifier. Ok, vous avez dit que c'est 500? Oui, madame. Bien, il n'y a pas de problème. C'est 500 naira, hein? Oui, madame. Faut revenir demain, hein? D'accord, madame. Soyez là pas très tôt le matin. Merci. Il n'y a pas de problème, oui, c'est bon. Pardon. N'oubliez pas de revenir demain ou le matin, hein? J'aurai besoin de Tanti, vous. Tanti, apparemment vous préparez au fako, banga et le riz. Tantine? Dommage. Ça, c'est pour mes clients. Peut-être demain, désolé, madame. Je vous trouverai quelque chose à mettre sur la dent. Partons. On se voit demain. Bye. Maman, tu dois prendre les médicaments. Allez, maman, s'il te plaît, prends. Maman, vas-y, prends. Maman, vas-y, prends. Allez, maman, s'il te plaît. Prends un peu d'eau, tu vas mettre le médicament dans la bouche directement, hein? Vas-y, prends de l'eau. D'accord. Oh, doucement, ne mets pas tout. Allez, maman. Oui, vas-y, avale. Avale, maman, s'il te plaît. Maman, doucement, s'il te plaît. Oh, désolée, maman. Allez. Désolée, maman. Achetez les mangues. Le mangue sucré. Achetez le mangue. Venez acheter le mangue sucré. Achète deux, tu auras une gratuitement.
Venez acheter le mangue sucré. Achète ta mangue. Venez acheter le mangue sucré. Venez acheter le mangue. Achète ta mangue sucrée. Achète ta mangue. Venez acheter le mangue sucré. Achète ta mangue sucrée. Ah, ok. Laisse-moi te 50 naira. Oh non, on ne goûte pas. Tu vas goûter seulement quand tu vas acheter. Bon, mais pour des 100. Oui, pour des 100. 200 naira, c'est 4 pièces, mais je te donnerai 5. D'ailleurs, tu es trop cher. Tu pourrais donner une 6. Ça ne sera pas possible. Je suis la seule à vendre à ce prix-là. D'abord, est-ce que tu es sûr que ta mangue est bonne? Monsieur, ces mangues sont sucrées. Ah, d'accord. Là, on va manger ceci et puis on va manger l'autre. Oui, oui. Monsieur, je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Vous voulez acheter la mangue, non? Je vais acheter la mangue. Si vous n'avez pas envie d'acheter, laissez-moi partir. Tu vois, tu as eu l'argent. Mais tenez. Tenez. Laisse-moi. S'il vous plaît, monsieur, n'y touchez pas. Oui, c'est ça, monsieur. Tu es sûr? Merci, monsieur. Mais tu t'en vas. À combien est-ce? Non, désolé, monsieur. Ça suffit. Ça va. Ah, cette fille est très bonne. Hein? Et tel genre de femmes sont très bonnes. Oui. Oh, mais je te jure. Ah, ah, mais ne t'inquiète pas, mon cher. Tu vois, ça ne t'affecte pas, mon cher. Tu vois là, j'ai la récupéré de mon pantalon. C'est bon, mon cher. Maman, non, donne-moi. Hein? Gourmand. Vous mangez beaucoup. Mes filles, je vous ai appelées toutes les deux pour vous dire merci de prendre soin de moi pendant que j'étais malade. Je ne sais pas ce que je deviendrais si toutes les deux n'étaient pas avec moi. Maman, c'est notre devoir de prendre soin de toi. Oui, maman.
Oui, maman ne prendra pas soin de toi. On le fera. Merci, mes filles, merci. Je pense que maintenant que je me suis rétablie, je vous prie toutes les deux de permettre à ce que je reprenne mon business de Akara. Mais maman, je vais mieux maintenant. Je me tiens maintenant avec mes pieds. Je suis aussi forte. Vous m'avez donné un peu d'argent. Permettez-moi de le fructifier avec mon business de Akara. Ah, maman, ne pense pas que je dois te reposer un peu. Je me suis assez reposée. Et vous savez bien que votre mère a du mal à rester inoccupée. Hein, je ne saurais pas, sinon je risque de tomber encore malade. Bah quoi. Oh. Sans effet. Oh. Ok, pas de problème, si tu le dis. Tant que ça va te faire du bien. Bien sûr que oui. Vous savez que j'aime bien travailler. Oui, je sais. D'accord, Joy. Rejoins-moi à l'intérieur. On doit travailler. Je refuse de problème. Je refuse de problème. Hein? Tu ne veux pas quoi? Joy, arrête. Regarde, arrête d'être paresseuse. Maman, dis-lui de venir là-bas. Ma fille, va aider ta soeur à la cuisine. S'il te plaît. Arrête la paresse. Je suis en train d'éviter des problèmes. Oh, je ne partirai pas avec toi. Oh. Tu me dis que ce n'est pas un problème. Maman, vous voulez que je me fâche? Maman, tu sais, autrefois, elle m'a promis de me donner un grand poisson. Tu sais quoi? Elle me l'avait plus donné. C'est pas juste. Regardez celle-là. Ces arachides que tu manges aidera à nettoyer tes oreilles. Comme ça, tu n'auras plus de problème. Donne-moi un peu. Rejoins ta soeur. Regardez. Maman, si vous terminez le commérage, rejoins-moi à l'intérieur. Sinon, tu ne mangeras pas. Tu sais que ta sœur ne te laissera pas faire. Vas-tu donner le poisson si je viens avec toi? Regarde sa bouche. Un si les cas arrivent alors. Maman, je pars. S'il te plaît, non? Attends-moi, non? Attends-moi, grande sœur. Attends-moi, j'arrive. J'aurai les poissons. Thank you.
veux seulement prendre le gros morceau. Tu n'as pas préparé, mais tu veux manger plus que tout le monde. Hein? Tu vois comment tu fais ta main là. Qu'est-ce que c'est moi? Je vais te taper. Hein. C'est quoi tu exagères? Rose, oh, Rose, vas-y doucement. Doucement. Mange le riz. Mm-hmm. Tu ne sais qui a mangé la viande. Laisse-moi, je mange. La ferme, je suis ta grande sœur. Vous êtes là. Bon appétit. Mon mari. Mon mari, bienvenue. Salut. Oncle, bonjour. Oncle, bienvenue. C'est la honte parce que la nourriture a déjà pris fin. Il ne reste que le riz ici. Hein. Oh, mon mari. Tu me dis, moi. Prends la viande, prends la viande, prends la viande. Ah, prends la viande. Ah, toi aussi. Maman. Je suis venu voir ma femme ainsi que mes enfants de manière à ce que je mange. Maman, c'est bien clair. Moi et mes filles, nous allons très bien. J'ai béni Dieu pour m'avoir donné ces deux filles. Oui, ouais. C'est bien. Gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu. Je suis déjà parti. Aussitôt? Ouais, oui. Maman, pourquoi est-ce que tu dis ça? Mais il a traîné là, non? Oncle, vas-y, bye bye. Oncle, au revoir, oh. Pas bien. Bye bye. Mes salutations à toute ta famille, ta femme et tes enfants. N'oublie pas. Raconte-leur ce que tu as vu. Regardez celui-ci. C'est un homme stupide. Arrête, c'est ton oncle. Maman, tu avais vu comment je mangeais la nourriture? Cet homme est très méchant. Arrête de crier, il risque de t'entendre. Un homme est honté. Il voulait venir manger la nourriture. Non, ne le suis pas. Peut-il aider quelqu'un? Ne le suis pas. Hey, hey, ne renverse pas cette nourriture. Non, mais c'est quoi avec toi? Pourquoi tu te fais comme ça? Maman, tu vois. Écoute. Longtemps. Non, Chica, je te dis, tu es toute belle. Rose, c'est bien toi? Comment vas-tu? Je vais bien. Hé, hey, Rose, ma sœur, comment tu vas? Ma chère, je vais bien. Bien, dis-moi, que fais-tu ici? Puisque la Rose que je connais a de grands rêves. Ma sœur, c'est comme ça la vie. Oublie d'abord ses grands rêves. Rien ne s'est passé. Juste gérer ici et ici. Mais tu sais très bien comment fonctionnent les pays, non? Tu le sais bien. Ma chère, c'est sans ignorer. Nous savons tous les conditions dans lesquelles nous vivons dans ces pays. Alors, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es vraiment toute belle. Bien. Bon, je travaille pour le compte de mon oncle dans une compagnie de la place. Hein? Tu sais quoi? Je vais te trouver une opportunité d'embauche. Rose, tu es très amusante. Merci. Merci énormément. Je suis très contente. Chica, je suis vraiment très heureuse. Tu es vraiment une meilleure amie. Oh, tu es comme une sœur pour moi. Tu sais, ça signifie beaucoup pour moi. Merci. Allez, il n'y a pas de souci. Tu sais, tu es une bonne personne. Et tu as un bon cœur. Certainement, je ne te l'ai jamais dit. J'ai toujours voulu être comme toi. Wow! C'est vrai? Dis-moi, comment va votre mère et ton aimable petite sœur? Ma chère, elles vont bien. Elles vont bien. Mes salutations à elles. Ok. Donne-moi ton numéro. Je t'appellerai plus tard. Ok. 080-33. 4-4-5-5-6-9. Ah, merci, très contente de te revoir. Hey, je suis très ravie. Au revoir, on garde contact. Ami. Bye. D'accord. Hey, bye. Chica, mon amie. Hey, t'es toute belle, je te Rose. Dis. Ah, Chica. Hey, comment tu marches comme ça?
Hey Chika, mon ami, oh. Ha, merci beaucoup. Bye, mon ami. Ma soeur. Hey, tu devais voir Chika. Ha? Dieu est vraiment bon pour elle. J'espère qu'il le sera aussi pour nous. Je prie ainsi, oh. Parce que notre famille, on a juste besoin d'un petit truc ici. Ah oui, oh. Pour que notre vie puisse changer. On en a besoin, oh. Y a-t-il la nourriture dans la maison? En tout cas, j'ai très faim. La nourriture? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce visage? Je demande la nourriture. Où est ma nourriture? Où est ma nourriture, non? C'est quoi ça? Y a la nourriture. Mais, si tu entres là-bas, ne prends pas la nourriture qui est dans la grande assiette. La grande là, c'est pour maman. Et la petite assiette là, c'est pour toi. C'est parce que j'avais déjà mangé ta nourriture. Ah! J'avais encore faim. Tu as mangé ma nourriture. Tu es vraiment une gourmande. Allez, va là-bas. Fais-moi passer. J'ai très faim. Laisse-moi venir encore manger avec toi. Non, ne me suis pas, oh. Je t'ai tapé, ne me suis pas. Reste là-bas, ne me suis pas. Vas-y, attends-moi, non. N'est-ce pas? In my heart is singing. Comment vas-tu? Je vais bien. Bonjour, grande sœur. Moi, je m'en vais. Si maman me demande, dis-lui que je suis partie toi-même. Chika m'a appelé. Elle m'a demandé de la voir. C'est vrai, es-tu sérieuse? Oui. C'est une bonne nouvelle. Oui. J'espère seulement qu'il y a une bonne nouvelle. Ouais. Je sais que c'est une bonne nouvelle. Oui. Je le sais très bien. Ok, bye bye, à tantôt. À bientôt. Ok, d'accord, ma chérie. Viens. Viens, grande sœur. D'accord. Merci, ma bye bye, bonne chance. Au retour, achète quelque chose qu'on pourra manger ensemble. Tu aimes toujours manger, toi. Job. Ah, merci. Félicitations. Merci. Tu vas travailler comme secrétaire de la compagnie où tu travailles. Merci. Merci. Je suis contente. Merci énormément. Regarde. Mon Dieu va te bénir, ma chérie, je te dis. Amen. Laisse-moi me dépêcher de finir ce que je t'en prie. Je suis vraiment reconnaissante. Je te verrai plus tard. Ah, mon Dieu, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton travail. Merci. Je suis reconnaissante. Seigneur,
marché d'aujourd'hui était très productif. Les bénéfices ont été multipliés par 5. Maman, okay, maman quoi? Aka quoi? Mais tu en as encore dans ta bouche. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Allez, ferme ta bouche. Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Oh. Rentre. Maman. Rentre maman, à la maison. Maman. Hein? Oh, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. C'est qui te poursuit? Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Maman. Mais quoi? Mon Dieu nous a exaucés. Hey, maman. Hey. Qu'est-ce que c'est? Dieu l'a fait. Mais de quoi parles-tu? Dieu l'a fait pour ta Amen. Vie. Grand Dieu, c'est ce que je pense. Oui, c'est ce que tu penses. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe, s'il te plaît? Maman, je t'avais dit que notre vie allait changer, n'est-ce pas? Oui. Maman, ta fille a trouvé un boulot. Maman, non seulement un travail, je serai une secrétaire dans une très grande entreprise. Merci Jésus. God is good. He has done for me. Oh my soul. Hey, rise up and praise the Lord. Et toi, laisse-les à Kara. Tu vas en profiter. Maman, laisse-toi aussi, tu sais, maman. Laisse-la finir à Kara. Laisse-la. Laisse-la, maman. Mes filles, depuis que votre père est mort, nous ne nous débrouillons pas mal pour au moins mettre la nourriture sur notre table. Mais j'ai béni Dieu. Votre père a pu vous laisser cette maison. Malgré les hauts et les bas, nous sommes restés ensemble. Vivons en harmonie. Et nous allons toujours continuer à être ensemble. Merci d'avoir pris soin de ma sœur et moi toutes ces années. Nous sommes reconnaissantes. Oui, maman, nous sommes très, très reconnaissantes. Nous n'allons jamais te décevoir. Nous ne pouvons pas être des ingrates. T'inquiète, maman. Regarde, très bientôt, notre vie va changer pour toujours. J'en ai hâte. Oui. Vous savez, j'ai hâte de vous voir toutes les deux. Allez dans vos foyers avec vos maris. Amen. Amen. Moi, personnellement, je ferai ta fierté, maman. Maman, nous allons faire ta fierté. Non, je suis ta sœur aînée. C'est moi qui ferai votre fierté. Ok, je suis très fière de vous. Oui. Je vous aime toutes les deux. Oui, maman. Énormément. Maman, donne ta main. Les familles okay. qui sont toujours... Unis, qui restent toujours. Oui, c'est ça. Je vous aime tous les deux. Je vous aime. Thank you.
la voici. Bonjour, monsieur le signe. Madame, mettez-vous. Monsieur l'avocat, vous avez 10 minutes. Salut, Rose. Mon nom, c'est monsieur l'avocat Johnson Okafu. Je suis là pour suivre ton cas. Bienvenue. Je peux connaître le prix? Oh, bien. Tu ne dois plus désormais t'inquiéter à propos de ça. À partir d'aujourd'hui, tes pouvoirs les gérer. C'est à quoi nous devons maintenant nous concentrer, c'est comment prouver ton innocence pour que tu puisses sortir d'ici. Et comment allons-nous faire ça? Pendant que toutes les preuves sont déjà contre moi. Et comment si tu commençais d'abord à m'expliquer tout ce qui s'était passé ces jours-là? J'allais dire tous les détails. J'en ai déjà parlé aux officiers. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore relater. Je ne vois pas pourquoi le dire encore, parce que ça ne va rien changer. Pour une fois, je serai là en train de te défendre jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais savoir toutes choses. J'allais dire tous les détails qui ont fait à ce que tu puisses être arrêté. Si tu insistes. Ces jours-là. Merci. We give you thanks, Lord, for all you have done in our lives. We are so glad. Our souls has found rest, oh Lord. We give you thanks. Thank you, Lord Jesus. Thanks, thanks, Father. We give you thanks, Lord, for all you have done in our lives. We are so glad. Our souls has found rest, oh Lord. We give you thanks. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire dans ces passages? Il nous exhorte de dépendre de lui, que nous devons mettre notre confiance en lui en tout temps. Peu importe le problème, nous ne devons pas abandonner la prière. Nous devons lui adresser nos requêtes dans la prière. Rose. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Joy. Rose. C'est quoi le problème? Hey. Levez-vous pour éviter de dormir jusqu'à la fin de la prière. Levez-vous, arrêtez de me faire passer du temps inutilement. Comment vous dormez pendant la prière? Au nom de Jésus. Mais maman, toi aussi, tu n'as qu'à te tenir debout, non? Ok. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de notre Jésus. Amen. Notre Seigneur et Sauveur, nous te bénissons. Nous te remercions pour les miracles de bonté que tu renouvelles tout le matin. Merci, l'ancien des jours, pour ta fidélité. Allez, arrête! Laisse! Tu as déjà fini le tien, tu vas encore prendre ça? Maman, ça fait rien. Laisse-moi manger. Tu sais que j'ai très faim. Je dois partir. Je crois qu'il est temps pour moi. De m'en aller. Il est tard. Allez, Rose, prends le temps de définir ta nourriture. Je ne te laisserai pas partir au travail. Le ventre affamé. Nico. Maman, ça va. C'est mon premier jour au travail. Ne l'oublie pas, je dois arriver en avance. Peu importe, tu dois mettre quelque chose sur la dent. Maman, je dois arriver au travail à temps. Ok, tu sais quoi, juste garde une part pour moi quand je reviendrai. Bah, ça va se refroidir. Tu sais quoi, je mangerai sa part, maman. Oh, regardez-la. C'est lui qui t'a causé ses torts. Sera puni de Dieu. Maman, c'est quoi? Laisse ma fille finir il sa nourriture. Sait.
Qu'est-ce que vous dites? Amen. Ferme-la. Ferme-la, laisse-la manger. Ok. Maman. Ma fille, que Dieu soit avec toi. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne en ces premiers jours de ton travail. Oh, amen. Amen. Que tout le monde te soit favorable dans cette nouvelle compagnie. Amen. Maman, je dois partir. Ma sœur, tu sais quoi, prends soin de toi et mange ma part. Bye. Hé, hey, attends, je te couvre par le sang de Christ. Amen. Grande sœur, maman, ne m'oublie pas ton retour. S'il te plaît, achète-moi quelque chose. Tout ira bien avec toi. C'est quoi ton problème? Ma fille, bonne journée. D'accord, hein? Maman. Reste souriant. Hein? Ok. Je t'aime, maman. Mais vas-y, tu es en retard, non? Maman, je vais manger sa part. Hein? Ça veut dire quoi? Maman, je mange aussi sa part. Joy, couvre-moi cette nourriture. Garde ces paires de nourriture qui restent. Maman, pardon, laisse-moi tranquille. Ça, c'est ma part. Et ça, c'est la sienne. Donc, tu veux les finir jusqu'à la fin, vraiment? Hein? Ah, maman, moi, je refais. Moi, je regarde-toi. C'est ça ta vie. C'est ce qui s'était passé. Je ne sais plus ce que je peux dire de plus. Si c'était pour toi la première fois de lui voir. Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de dire toutes ces choses à propos de toi? On s'était rencontrés en cours de route. Je lui avais parlé de mon travail. Et pas d'autre chose. Merde. J'étais stupide. Oh. Je ne devais pas. Écoute, Rose. Tu dois maintenant arrêter de te blâmer. J'allais dire, tu n'avais même pas l'idée que les choses allaient se terminer de cette manière. Qu'est-ce qui va arriver? Je dois donc aller devant la cour. C'est vraiment la raison pourquoi je suis ici. C'est pour m'assurer que cela ne puisse pas arriver. Je pense que tu vas m'aider. Oui, je suis sûr. Fais-moi confiance, Rose. Et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour te voir être libérée. Merci. Merci. Merci énormément. Tu dois être forte. Je vais essayer. Il est là. Oui, c'est bon. Bonjour, Monsieur Austin. Mon nom, c'est Monsieur l'avocat Johnson Okafor. Je représente Madame Rose. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et parle vite. Intéressant. C'est vraiment bien. Mais je veux que tu puisses dire la vérité. Et que tu puisses rendre cette jeune dame libre. Et qu'est-ce qui te donne l'impression que je ne suis pas en train de dire la vérité, là? Écoute-moi, Monsieur Austin. J'ai entendu toutes les déclarations de comment vous avez atterri ici. Et d'ailleurs, je peux te rassurer que si tu essayes d'être propre, je veux... Oh, attends. Qu'est-ce que tu n'entends pas sortir d'ici la vie? Ce que je veux dire, c'est... Si tu disais la vérité et que tu fasses à ce que Madame Rose soit libre, moi, personnellement, j'ai... Hein, tu es sûr d'avoir la lumière sur tout ce que tu dis, hein? Qui t'envoie? Tu penses que je suis stupide? Hein? Dis-moi. Je... Attends, je n'ai pas fini. Hein?
Messieurs, je suis au courant de toutes tes aventures, mais je peux t'assurer que ça ne marchera pas avec moi, ok? Tu vois ta cliente, ta soi-disant cliente, responsable de tout ce qui est en train de se passer ici. Et ça, c'est tout ce que je peux te dire. Vraiment? Oui! Et tu sais quoi? On servira au parquet. Oui, je suis prêt. Rendez-vous à la cour. Oui, on va se voir à la cour. Va-t'en! On va se voir à la cour. Qu'est-ce que tu penses? Que tu peux venir ici pour m'intimider? Ça ne marchera pas comme ça avec moi. Bienvenue, monsieur l'avocat. S'il te plaît, appelle-moi Johnson. Ok. Johnson, promets-moi que tu feras tout à ton pouvoir pour donner la solution à ces problèmes. Je ferai de mon mieux, maman. Mais j'aurai besoin de votre aide. Peu importe ce que c'est, nous allons vous aider. Ok. Dites-moi, est-ce que Rose est-elle capable de faire ce dont on est en train de l'accuser? Bien sûr que non. Jamais. Aucune de mes filles ne peut faire une telle chose. J'ai bien élevé mes filles. Aucune de mes filles ne peut avoir cette allure de vie. Rose est innocente. Ma fille Rose est innocente. Écoutez, maître, nous sommes bien de pauvres, mais ma soeur n'est pas du tout un criminel. Nous travaillons durement et ma soeur ne peut jamais faire ce genre de choses. Jamais. Je comprends. Et je suis désolé si j'essaie de quitter la ligne. Je suis juste en train d'essayer de mieux connaître Rose, ce qui me permettra de mieux suivre le cas. Merci, Johnson. Mais je veux aussi que tu saches que la Rose dont nous parlons ici est ma fille. Elle est innocente. Aucune personne ne peut me pousser à croire ça. Non, ce n'est pas possible. Mais d'où est commencée cette histoire de drogue et de cambriolage? D'où? Je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait ça à ma sœur. J'en suis sûre. Certainement, certainement. Parce que ma sœur ne peut jamais être un criminel. Regarde-toi. Pourquoi? On m'a dit que tu refuses de manger. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois manger? Pourquoi est-ce que... Comment même je dois manger? Je n'ai pas faim. Dis-moi comment va maman? Comment est-ce qu'elle va? Maman ne va du tout pas bien. Elle dort toujours avec des larmes aux yeux. Elle a toujours des larmes matin, midi, soir. Joy, tu dois prendre soin de maman. Tu sais qu'elle est sous cure. Ne dis pas je. Dis nous. Tu dois dire nous parce que nous devons prendre soin de maman, nous deux. Ne dis pas moi-même. Tu dois être forte parce que tu vas finir par sortir de ces lieux. Tu sortiras d'inquiète. Tu sortiras. Oui, je crois. Oui, je le crois. Je sais. Avec des drogues. Non, pas toi. Ce n'est pas toi. Je le sais bien, ma sœur. Joy, tu sais que je suis innocente. Oui, bien sûr. Je sais que tu es innocente. Je sais que tu l'es, ma sœur. T'inquiète, je sais que tu es innocente. Je le sais très bien. Monsieur Johnson va t'aider de sortir d'ici, ma sœur. T'inquiète. Je sais que tu es innocente. Maman nous a très bien élevés. Je sais que tu ne peux pas faire ce genre de choses, ma sœur. S'il te plaît, ma sœur, sois forte. J'aimerais que tu sois forte.
s'il te plaît. Que tu ne me feras plus à la maison. Oui, ma soeur, j'étais là. Sois forte. Il ne faut plus dire ça. Tu vas sortir de ces lieux, je te jure. Et nous allons encore vivre ensemble, toi, maman et moi. Ne te quitte, ma soeur. S'il te plaît, sois forte. Sois forte. Je sais que tout va très bien se passer. Je crois que ça va aller. Tu sortiras d'ici. T'inquiète, ma soeur. S'il te plaît. Courage, ne pleure pas. Sois forte. Je sais que tu es innocente. J'ai d'ailleurs rencontré ta soeur quand j'étais en train de venir ici. Oh. Elle vient de partir il y a quelques minutes. Je suis juste content que tu aies une sœur forte qui te soutient. Waouh, ça c'est ma famille. Elles sont tout ce que j'ai, ma mère et ma sœur. Je les aime énormément. C'est bon. Dans les temps difficiles comme celui-ci, tout ce dont on a besoin, c'est sa famille. Et content que tu aies la tienne. Maître, tu as vraiment l'air triste. Et alors, à propos de ta famille, ne sont-ils pas sur place? Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de toi. La façon dont tu parles, c'est comme si tu évites d'en parler. Oui. Désolée de te déranger. C'est bon. Je suis très patiente. Alors, comment évoluent les dossiers? Notre jour du jugement est presque arrivé. Waouh! À peine? Oh oui, je veux que tu puisses être aussi calme que tu le peux. Et je te promets que nous deux, nous allons affronter tout ceci ensemble. Merci. Je t'en prie. J'ai besoin d'entendre et faire en sorte que cette affaire n'arrive plus à la cour. Je t'ai dit encore et encore, je suis innocente. Tout le monde plaide non coupable. Et maintenant, écoute-moi te dire ce que tu ne sais pas. Avec cette affaire, une fois que vous allez à la cour, vous serez reconnu coupable. Je suis désolé. Vous passerez vos 30 prochaines années en prison. Et ça ne sera pas une bonne chose. Il est mieux que tu m'en parles maintenant. Parle. Parle. Maintenant. Parle. Salut, monsieur. Vous avez dit que je les apprête pour le parquet maintenant? Oui, oui. Quand les suspects refusent de confesser, à quoi pensez-vous? Mais la vérité, c'est que aucun d'eux ne pourra dire qu'il est coupable. Bien, la cour en décidera, raison pour laquelle nous les avons transférés. Va maintenant les apprêter, ok? Relax. Maman, pour nous, combien de temps vas-tu continuer à rester ainsi? Regarde ta nourriture, tu ne l'as même pas touchée. Je n'ai pas du tout faim. Maman, comment ça peut être possible? Maman, si quelque chose t'arrive, Rose ne va pas me pardonner.
Je veux que tu sois forte pour elle, maman, s'il te plaît. Je suis assez forte pour ma fille. Comment? Je suis forte. Comment? En te faisant ça? Regarde ta nourriture, maman. Maman, s'il te plaît, essaie de manger ta nourriture. Je ne veux pas t'emmener à l'hôpital. Oh, s'il te plaît. Maman, oh, s'il te plaît. Je ne veux pas manger. Maman, comme tu ne veux pas manger, moi non plus je ne mangerai plus ici. Je ne veux plus manger là, je te dis la vérité. Comme toi, tu ne veux pas manger, comme ça nous allons toutes mourir ensemble. Arrête, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu sais très bien que moi j'aime manger. Si je ne mange pas, je tombe toujours malade. Oui, je vais manger. Alors, on va manger ensemble. D'accord. Ma sœur, je te promets, je ne te demanderai plus rien. Joy, fais vite. Joy, dépêche-toi, non? Qui sont ceux-là qui prennent mes manques sans demander la permission? Qui sont-ils? Qui sont en train de cueillir mes manques? Mon Dieu. Joy, dépêche vite. Est-ce qu'elle arrive? Aïe! Mon Dieu. N'importe quoi. Si cette femme nous a pas attrapé aujourd'hui, maman allait être au courant de tout. Tu connais bien maman, non? Tu sais, elle allait nous prêcher toute la journée. Tu n'as pas fini ça. Elle allait ajouter Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Attends, je vais te montrer ce qu'elle fait. Tu sais, maman a des gros derrière. Allez, mes enfants, je vous prêche. Oh, si vous volez encore, vous allez partir en enfer et vous allez brûler au feu. Hey. Grande sœur, combien de manques t'ai-je donné? 4. Donne-moi 2. Est-ce que tu vas bien? Grande sœur, je n'ai que 2 ici, non? Si ta sœur est née. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait vraiment? Hey, elle est encore là-haut! Hey, les manques, grande sœur! Hey! Aïe! Hey! Joy, grande sœur, où étais-tu? Maman t'avait demandé. J'étais là-bas, je ne savais pas que j'allais en fait traîner. Mon amie m'avait demandé de l'attendre, elle préparait. Préparer. Toi et la nourriture, il n'y en a pas dans cette maison. Elle préparait le riz et la viande là-bas. Mais elle le riz ici. Maman est en colère contre toi. Alors va là-bas, elle va gueuler sur toi, c'est ton problème. Hein? Oui. Allez, va d'abord vite te laver maintenant. Toi vraiment,
tu es terrible. Allez, passe vite. Tu n'es pas gentil, toi. C'est quoi ça avec toi? Hé, hey, arrêtez-vous là. Vous venez d'où? Quoi? Maman, le problème est que... Quoi? Parle. Maman, le problème est que j'avais envoyé Joy pour prendre pour moi quelque chose. Tu as envoyé Joy pour qu'elle aille te chercher un truc? Oui, maman. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit quand je l'ai demandé? Hé, hey, désolée maman, j'avais vraiment oublié. Vraiment? Tu as perdu de vue. Que Dieu te pardonne. Rose. Rose! Disparaissez de ma vue. Toutes les deux. Maintenant, vite. Que Dieu vous pardonne. C'est gentil de ta part, grande sœur. Tu es vraiment une bonne menteuse. Tu sais quoi? Je ne sais pas quoi dire à maman. Je suis vraiment confuse. C'est pour ça que tu babotais. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais aussi être confuse comme moi. C'est vrai ça? D'accord. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Je t'aime et je te promets que je serai toujours là pour toi. J'ai très faim. J'espère que tu as mangé d'où tu viens. Oui, j'avais mangé le riz et la viande. Je vais maintenant manger le banga. Respecte-toi. Mon Dieu, si je te tapis, je te dis. Je vais maintenant manger le banga. J'ai très faim. Moi, je vais manger, mon Dieu. Ma famille. Mon bonheur. S'il te plaît, sauve-nous par la grâce. S'il te plaît. Je t'en supplie, mon Dieu. Ma famille et mon bonheur, s'il te plaît. Elle me fait mal au poignet. C'est à cause de toi que je me retrouve ici. Je ne sais absolument rien. Laisse-moi. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Elle est innocente. Laissez-la partir, elle est innocente. Mais qui es-tu d'ailleurs? Je m'appelle Sharon. Continue. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé le jour de leur arrestation. Allez bébé, calme-toi. T'es très chaude ce matin. Sharon, regarde, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup de marchés à livrer à des clients très importants. Es-tu sérieux, baby boy? Je t'ai dit d'arrêter ces sales business que tu fais. Tu continues toujours avec? C'est comme ça que tu l'appelles? Oui. Affaires illicites? Sharon, c'est cette affaire illicite qui te nourrit chaque jour. Et la vie somptueuse que tu mènes à tout moment est fournie par cette affaire illicite. Peu importe. Vraiment? Enfin, je sais très bien qu'après cette discussion,
Tu auras certainement le temps de réfléchir. Mais pour l'instant, trouvons d'abord un endroit où on va manger. J'ai très faim. Mais tu es sérieux là? Bien sûr que oui. Trouvons où manger, bébé. J'ai très faim. On y va. Bien. Bébé, j'ai très faim. D'accord. Un instant, s'il te plaît. J'attends, famille. Tu m'as entendu, je suis enceinte. Oh, c'est pas vrai. Eh oui, bien sûr. Regarde, chapeau. Tu sais très bien que tu vas avoir un bébé, chapeau. Ah, mais je suis là, je suis prête. Merde, chapeau, tu dois avoir. Je ne suis pas prête à avorter cet enfant. Non, je ne le ferai pas. Alors, tu vas t'en occuper. Quoi? Alors, sors de ce véhicule. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te demande de sortir de ce véhicule avant que je ne me fâche. Sors! Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Non. Peu importe ce que tu veux dire, tout ce que je sais est que je ne veux pas avorter ces bébés. Tout ce qui me préoccupe maintenant, c'est toi et notre bébé. Non, Scar, partons. Partons d'ici. Allons très loin où personne ne nous verra. Et tu penses que c'est simple? Oui. S'il te plaît, je vais avoir ces bébés.
pourquoi. Va voir Docteur Bam. Demande-lui de terminer avec cette histoire. Je viens te chercher juste après. Non, bébé, non, pas question. Je ne suis pas d'accord avec toi cette fois-ci. Non, je ne suis pas d'accord. Bébé, s'il te plaît. Non. Non. Ce n'est pas possible. Tu plaisantes. Non, tu n'es pas sérieux. Je ne vais pas avorter de ces bébés. Non. Non. Je vais bien. Ça te dirait que je te dépose où tu vas. Oh, merci. Je suis en train d'attendre les toc-toc. Beauté, je ne veux pas quelque chose d'autre. Je vais juste t'aider. Et d'ailleurs, il ne semble pas que les motos passeront ici dans quelques minutes. Merci beaucoup. Excusez-moi. Officier, officier. Comment allez-vous? Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Ah oui, absolument. Es-tu sûr? Évidemment. Mais j'ai quelque chose pour toi. Oui. Ok, donne-moi alors. Officier, officier, officier. Parfois, quand je cherche à vous donner de l'argent, j'ai vu de compassion. Ok. Pas vraiment. Mais nous travaillons pour vous. En tout cas, ça, c'est pour toi. J'espère que moi je ne vends pas. En tout cas, regarde, tu peux te partir. Passe. Tu peux partir. Vas-y, va. Arrête-toi là. Officier, c'est quoi le problème? Jeune homme. Oui. Tu peux descendre de la voiture et que tu viennes pour ouvrir ton capot. J'ai dit à votre collègue qu'il n'y a rien dans le coffre. Il m'a dit de partir. Mon ami, je t'ai dit, descends immédiatement de ta voiture et viens ouvrir ton capot. Pour qu'on puisse regarder. Qu'est-ce qu'il y a? On est tous frères, non? Vérifie alors le port. Ouvre ton capot et rassure-toi que tu as le permis pour pouvoir conduire ça. Ah, monsieur l'officier, je suis un citoyen responsable. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Je dois me permettre de conduire ce véhicule sans permis. Mon ami, tais-toi, ouvre ces capots. Patron, s'il te plaît, ouvre seulement le capot. Pas de problème.
Et c'est quoi tout ça? Mes objets personnels. Ton désir est décidé. Attends d'abord, inspecteur. Fouille tous ces objets. Oui, monsieur. C'est une arme. Quoi? Hé hey, une arme. Quoi? Mets-toi à genoux. J'ai dit mets-toi à genoux. Inspecteur, tu peux fouiller toute la voiture. Tu es un criminel. Donc tu es en train de porter une arme. Ok. Inspecteur, fouille toute la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Allez, va de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Monsieur, il n'y a rien ici. Monsieur, je me rends au travail. Fouillez dans tous les véhicules. Hé, comment est-ce possible? Je ne veux pas que vous puissiez bouger. Allez, fuyez dans la voiture. Inspecteur, fuyez dans toute la voiture. Il y a pas aussi de peuple de matriculation, c'est ça? Hey, patron. Hey, ta bouche. Hey. Dis-moi, ça appartient à qui? Dis-moi, ça appartient à qui? Tu ne sais pas? Qui te l'a donné? Et c'est quoi d'ailleurs? C'est pas de la drogue? Ok, allez, lève-toi, avance. Entre dans ta voiture. S'il vous plaît, monsieur, je ne connais pas cet homme. Je viens juste de les croiser, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, monsieur. Officier, je ne les connais pas. Mais ça, je vous dis la vérité, je ne les connais pas. Oh mon Dieu, je ne les connais pas, dis la vérité, non? Allez, vas-y. Monsieur, s'il vous plaît, je ne les connais pas. Entre dans la vérité, non? Quelle entre dans la voiture? Quelle entre? Allez, entre dans la voiture. Je ne te connais pas. Est-ce que je te connais? Hein? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est déjà vu? Allez, c'est la vérité. Conduis cette voiture. Allons avec ça. Conduis cette voiture. Et quand j'ai découvert que Austin est en train d'accuser cette fille innocente, je me suis décidée de venir dire la vérité pour libérer ma conscience. Et j'ai une vidéo comme preuve de tout ce que je viens de dire. Joy, dépêche-toi, Bikonu. Maman, j'arrive. Maman, je suis prête. Maman, allons avant qu'il ne puisse arriver à la cour. Dépêche. Jésus. Maman. Je suis arrivée ici. Comment tu es libérée? Hein? Tu es libérée? Oh, aïe. Aïe. Oh. Ils t'ont demandé de l'argent? Hey. Jésus-Christ. Ma fille est sauvée par grâce. Jésus, merci Jésus. Jésus, merci Jésus.
Merci Seigneur, ma fille. Merci Jésus. Merci Jésus. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.